reçu une lettre, il y a un mois peut-être, arrivée par erreur, maladresse de facteur, aspergée de parfum, rouge à lèvres carmin, j'aurais dû cette lettre, ne pas l'ouvrir peut-être, mais moi je suis un homme qui aime bien ce genre d'enjeu, veux bien qu'elle me nomme Alphonse ou Fred, c'est comme elle veut. Ah oui, ça, c'est comme elle veut. Des jolies marguerites sur le haut de ses pieds, des courbes manuscrites comme dans les abbayes, quelques fautes d'orthographe, une légère dyslexie, et en guise de paraphe, sa petite blonde sexy. Et moi je suis un homme qui aime bien ce genre d'enjeu, n'aime pas les nonnes, et j'en suis tombé amoureux. Que dimanche, elle sera sur la falaise où je l'ai prise par les hanches, et que dans l'hypothèse où je n'aurai pas le tact d'assumer mes ébats, elle choisira l'impact 30 mètres plus bas. Et moi je suis un homme qui aime bien ce genre d'enjeu, ne veux pas qu'elle s'assomme, et j'en suis tombé amoureux. Amoureux. De la poste, d'une ville sur la Manche, j'étais à l'avant-poste, au matin du dimanche, l'endroit était désert, il faudra être patient, des blondes suicidaires, il n'y en aura pas 100, mais moi je suis un homme, qui aime bien ce genre d'enjeu, veut battre Newton, et j'en suis tombé amoureux, amoureux. Surplombait la Manche, quand je l'ai reconnue, je saisis par la manche ma petite ingénue, qui ne l'était pas tant au regard du profil qu'un petit habitant lui faisait sous le nombril. Et moi je suis un homme qui aime bien ce genre d'enjeu, veux bien qu'il me nomme papa s'il le veut, ouais, s'il le veut. Oui, moi je suis un homme qui aime bien ce genre d'enjeu, veux bien qu'il me nomme papa s'il le veut, ouais, s'il le veut. Moi je suis un homme qui aime bien ce genre d'enjeu, veux bien qu'il me nomme papa s'il le veut, ouais, s'il le veut.